Nous, c'est Marchandises en Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher pour le baou, Jean-Lia. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de l'heure, vous pouvez regarder la vidéo ça. Et pas oublier qu'on se moment Pemba qui c'est Marchandises en Haïti. Jeudi, c'est vendredi 8 janvier 2021. C'est le premier bulletin d'information journée qui rentre la caillou comme d'habitude. On va rentrer dans quelques grands points qui ont dominé l'actualité et on va commencer sur le plan international. Côté américain, fait prend gros décision contre Guy Philippe. Jean-Wano Diulia dans titre vidéo. Ça peut être un saisissement, mes amis. En tout cas, nous allons venir avec des détails. Nous sommes nous-mêmes dans Marchandises en Haïti. Nous ne pouvons pas dire un bagage et puis faire regarder vidéo. Pourtant, nous ne pouvons pas nous dire là. Donc, grand t-shirt, nous allons venir avec tout détail tout à l'heure comme ça. Toujours sur le plan international, Twitter a bloqué contre le président sortant américain Donald Trump définitivement. Bagage compliqué pour le président sortant américain. Et probablement, il y a l'autre décision qui est capable de prendre contre Trump après des autres ça qui fin fête dans le Capitole là, jour qui était 6 janvier 2021. Nous avons traversé la Caïpane en Haïti, côté la police dans Gonaï, Fouquet, deux présumés kidnappés parmi Yoyon Ougan et la police boule badi mché à tout. Dans chaque mail, la police mettait la patte sur un présumé criminel qui touye fiancé li avec plusieurs coups de couteau. Nous avons vu avec des détails tout à l'heure comme ça. C'est tout un grand point ça, nous allons le développer pour un bulletin d'information ça. Mais avant même que nous rentrions dans le détail, en quelques secondes, nous allons montrer qui j'aime pour abonner à la chaîne là et surtout qui j'aime pour pas jamais rater notification. Pas oublier à chaque fois que vous regardez une vidéo sur Marchandises en Haïti, like juste pour montrer que vous appréciez le travail là, peu importe. Nouvelle là, ton bonne nouvelle ou bien ton mauvaise nouvelle. Donc, c'est pas ça qui est important. Donc, like vidéo pour montrer que vous appréciez le travail que Marchandises en Haïti a fait. Pour quelques secondes seulement, cherchez Marchandises en Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là où fin abonné, voyagez à droite écran ou après yon petit cloche. Là fin peser petit cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Bon, changez pas campagne après rentrer dans quelques grands points qui ont dominé l'actualité et on commencer avec le dossier Guy Philippe. Comme nous tous connaissons déjà, d'ailleurs, nouvelle attaque play, on est tous côtés comme quoi. Guy Philippe pas loin libéré, mais qui ça qui fait un pile monde te penser que ancien sénateur t'a pas libéré et même lui-même tout, il te croit que l'étape libéré dans un petit temps. Donc ou pas le temps de causer. D'abord pour monde qui pas connaît, ancien sénateur Guy Philippe dans prison pour le passer 108 mois debout. 108 mois égale à 9 l'année. J'ai trouvé le nom prison dans Georgie pour question blanchiment l'argent et cetera et il déjà commencé puis j'ai peine si là. Mais 10 ensemble qui sont passé à Guy Philippe te voyé en demande by J. Cecilia Altonaga, J. qui sous dossier ancien sénateur qui a accepté plaider coupable dans l'année 2017. Dans demande si là, monsieur demandé premièrement pour tribunal la prend un avocat pour représenter lui dans poursuite ça que l'a fait pour le cas jeune libération lui avant l'heure était prévoir libérer là. Et bien monsieur by raison tout qui fait juge là t'a supposé by l'ordre pour libération lui. Dans le monde, Guy Philippe a déclaré que il a souffert de tension, de cholestérol, tout. Et monsieur même parlé de questions asthmatiques. Tout. Et toujours selon Guy Philippe, prison côté lié Kounia, prisonnier exposé à la pandémie. Et il y a quelqu'un qui était même mort. Donc, dans ce sens, Guy Philippe pensait que il est très vulnérable par rapport à l'antécédent de sa vie face à coronavirus. Sous base humanitaire et compassion, pour être capable de prendre pitié pour lui dans le cas par là. Et n'a pas rappelé, à cause de coronavirus, en pile prisonnier joue une libération dans le pays États-Unis, parce que l'état de santé est très vulnérable face à la pandémie. Donc c'est sous base ça que l'ancien sénateur Guy Philippe demandé pour l'autorité concernée de prendre pitié pour lui. Finalement, jour qui était 5 janvier 2021, juge Cecilia Altonaga, il a pris le voyage jeté dans la boîte pour demander à l'ancien sénateur à TFA pour te joindre libération li avant l'air. Et dans la décision ça que juge la prend pour rejeter demande que Guy Philippe te fait pour joindre libération li avant même que li fin puge peine li qui c'est 108 mois à prison, juge la exprimé à Koli à gouvernement américain qui fait qu'on est que ancien sénateur lui représentait un danger pour Haïti. C'est dans date 23 décembre passé que gouvernement américain à travers commissaire fédéral yo était opposé à la libération trois bonnets de Philippe sous base que lui représentait un danger pour la communauté. Dans ce sens, le juge est d'accord avec la position du gouvernement américain et il a cité en particulier la participation de M. Philippe dans le trafic de drogue
que ancien sénateur a avoué ça même. Et participation li tout dans renversement ancien président Aristide ak nan yon attaque paramilitaire mortel contre commissariat la police nan Okaï dans l'année 2016. Donc Jean Noël Bagayou là, kaout la kuit pour Guy Philippe, américain conclut que li représente un danger pour communauté a et que si yo la monsieur trois bonnet, ça tap minimise niveau crime que li te commet yo. Juge la te rappelé tout que prisonnier qui joine libération avant Léo, décision sorti dans pouvoir discrétionnaire juge yo. Li pas sorti de yon quelconque droit que prisonnier yo gen pour réclamer libération pour tête yo. Donc c'est ça que fait Guy Philippe te même gen tan annoncé libération li. Je pensais que autorité concernée t'a comprendre li et libérer sous base que le t'ai fait demande liant mais au dit sénateur et pas kounya tonton. En tout cas, je pense que nous jouons assez de détails concernant le dossier Guy Philippe Lacouelila qui a pu j'ai peine li sérieusement dans la prison Georgie dans le pays États-Unis. N'a traversé la caille en Haïti côté dans ça qui gen pour avec sécurité la police arrêté un gros courrier qui relait Wilson Novali jour qui était mardi 5 janvier 2021 zone Opoto 4e section Gonaïve. Citoyen qui s'est ougan la police Foukel parce que monsieur t'a impliqué dans un kidnapping et policier était tout boulé badi bokoa. Selon commissaire gouvernement juridiction qui s'est mettre Serra Gazius, badi si là t'est servi comme base pour abriter un groupe bandit qui a simé la trouble dans la communauté. Commissaire t'est dans micro la presse n'a pas invité au couteau pour plus de détails. On a recherché, c'est Watson Novali, alias Tezo, monsieur son Boko, mais qui fait partie encore grande. Et nous rappelons, c'est bien kidnapping qui était fait de Gonaïve, nous avons la population en garantie qu'il y a qu'il tout le monde qui a participé dans le kidnapping. Nous n'avons pas arrêté de dormir, il y en a qui mourent, il y en a qui sont en prison, mais monsieur son Boko, c'est là que servi base pour nous, abri pour nous. Si nous songeons la dernière opération, nous avons fait souvenance, mais qui a barré la machine, la coopération, eh bien, jour soir, ça, qui était lundi, c'est là que nous avons fait descendre. Ils ont fait l'air, ils ont dormi, ils ont mangé, ils ont bré, et là, ils ont aller dans mardi matin, nous avons fictionné, ils ont dit qu'ils ont invalidé. Même jour, nous avons mené l'opération souvenance, nous avons lagué des monsieur, il était marron, il était quitté Kaila. Monsieur était même arrivé dans le sud. Mais on connaît, nous avons un nous travail, nous disons depuis que je suis venu dans la Timonite, dans Gonaïve après. Effectivement, hier, nous avons un tellement qui dit que nous avons fait la chandelle. Et nous débarquons, nous prenons monsieur, pour voir que c'est Badia qui servi à abri. Parce que quelqu'un doit arrêter monsieur, et puis Bandio continue à dormir en dedans, continue à reposer en dedans, continue à faire l'air en dedans pour aller voler. Eh bien, par le fait que c'est Badji qui a servi à Bouconnet, nous devons arrêter M. Baza toujours fonctionnel. Nous éliminons Baza. Ça veut dire nous mettons 10 fils là-dedans. Et nous voulons tout le monde clair sur ça. Nous avons des populations qui ont pris mon caille. Si vous connaissez les gens qui ont kidnappé, ils ont volé, ils sont gangs, ou loué caille, immédiatement nous venons pour prendre ça caille là la boule. Parce que nous ne pouvons pas quitter les gens avec Abou. Nous avons quitté sans Abou. Et nous avons des populations très créatives. Parce que c'est ensemble pour nous faire travail là. Et demander l'autre nèg qui gagne métier ça nous toujours dit que on change métier. N'a continuer avec information yo dans opération que la police dans Gonaïve avec commissaire gouvernement maître Serra Gazius mené matin vendredi 8 janvier 2021 dans rue Christophe côté yo rivé mette la patte sur un gros courrier qui relé Charleron Osner et selon chef parquet cité indépendance maître Gazius le fait qu'on ait que Goku et Sila ont participé dans la négociation de l'argent qui pour débattre dans le cadre de kidnapping qui était fait sous demoiselle Nariel Fleurissien. Dans le mois qui était passé, on a parlé de Saint-Ilma. Gotoa, les jeunes arrestation. Donc la police dans Gonaïve qui a fouqué sérieusement dans le cadre de kidnapping ça qui était fait dans la cité l'indépendance. De l'autre bord, la police dans Jacmel fouqué présumé assassin Derline Carinan. Hier jeudi 7 janvier 2021, dans une localité qui est le meilleur, côté le tal réfugié, Leslie Cyprien, c'est non jeune garçon ça, qui gagne 26 récords de café sous tête li, qui touye fiancé li, Derline Carinan, qui c'est un monde qui soude et qui bébé tout, même gens avec fiancé li. Donc le jugement ça a fait, mes amis, donc depuis nous au courant, nous pral fournir garder pour nous faire vivre bagay ça, yon monde qui soude et qui bébé, qui a jugé,
bien que nous connaissons moun sa ou gen propre langage pa ou, ansi faut qu'on connaît pour parler à yo. Donc monsieur jeune arrestation lui parce que li te piqué fiancé li ak plusieurs coup de couteau. Donc c'est détail ça aucun te pote pour un bulletin d'information ça déjà n'a dit tout le monde bye bye rendez-vous à la prochaine pour un autre bulletin d'information.